On aura deux victimes au niveau du puits de pétrole. Du coup, Reçu. j'ai pris une GoPro waterproof pour Souci. regarder dans le. Enfin, je vais porter avec. Il y a un mouvement de gens. On attend de faire la tour. Se trouvent les balises. Il y en a deux. On s'est retrouvé ensemble en bateau, donc on était avec un collègue, nous partions en bateau pour une intervention au niveau de l'île au pétrole. Mon stress, comment le gérer, bah, ça se gère lui-même, faut savoir gérer tout ça, faut être coordonné pour tout gérer ensemble, pour pas qu'il y ait de désaccords entre collègues. Partir en mer, c'est pas quelque chose de simple, faut être bien, faut pas avoir. Il va y avoir assez de place dans le bateau. Les pompiers de Vice City réalisent en moyenne 5 interventions de ce type par jour. Bonjour, du coup, le sapeur Richardson et le sapeur Grantier, vous prendrez un VSAV 02. Quand on est arrivé sur le lieu, on a juste remarqué qu'en fait on n'avait pas le bon bateau déjà, donc on est en train de refaire un retour pour chercher le bon bateau. Et on avait vu qu'il y avait deux victimes sous l'eau, du coup le plongeur est parti réanimer les victimes qui sont sous l'eau. On a ensuite effectué un bilan pour voir l'état des victimes. On a ensuite, une fois que les victimes sont stabilisées, que tout est bien, on a appelé une unité dragon pour récupérer des victimes et nous sommes partis avec une des victimes. Le plongeur est actuellement en train de récupérer la victime sur l'eau et de la réanimer. Bonjour. Quand il y en a une deuxième sur l'autre bateau là-bas. Deux personnes aussi. You. Apparemment, le monsieur parle Bonjour. d'une autre victime. Il y en a une autre. Attends. Il y a une autre personne juste au niveau du Je bateau, vais changer pareil. le bateau parce que après est bon. Et après. Tu restes avec le journaliste, ok, j'ai changé le bateau. Vous allez bien, monsieur? Ouais, ça a pas étendu, ça va. Qu'est-il passé, monsieur? Je viens tout doucement au niveau de mon bateau. J'éteins mon bateau, on est là nickel et je vais pour sortir du bateau et j'ai dû glisser entre le bateau et le sable. Vous êtes cogné, vous avez une connaissance. Ouais, c'est ça, enfin bref, du coup, les poissons sont devenus mes amis, et voilà. Pour savoir votre nom et prénom, monsieur. Yo, Fischer. Pouvez-vous me dire votre âge, s'il vous plaît? 29 ans. Reçu. Vous faites quelle taille et quel poids, s'il vous plaît? 1,90 m, 75 kilos. Vous avez mal aux étangs, monsieur, vous pouvez me prêter, s'il vous plaît? Ah, j'ai un petit peu de mal à respirer, mais ça c'est parce que j'ai bu un petit peu d'eau, je suppose. À peu près 4, 4 sur 10. Quand avez-vous des antécédents médicaux, monsieur? Oh, non, non, non. Un Parfois traitement? parfois de la débilité. Dolly Park, 1000% pour trouver de l'imagination. Laboratoire Arma Farlife, à consommer avec modération. Que ce soit une maladie? Non, je ne pense pas, monsieur. Non. Vous prenez un traitement, monsieur? Un peu de Doliprane de temps en temps, mais c'est tout. Ah, il n'existe pas hein, pour ça. La débilité. Ça peut être vrai. Vous avez consommé de l'alcool ou du stupéfiant récemment? Oh, il y a. Non, non, j'ai pas consommé. Il n'y a pas plus honnête que lui. D'accord. Avez-vous des allergies? Êtes-vous diabétique? Problème d'acariens? Non, non, je suis allergique au. Ça, c'est pas officiel. Ouais, je vais faire un rapport et je reviens vers vous. Vous dire s'allonger. Vous avez besoin de boire ou manger, monsieur? Non, non.
non, ça ira pour l'instant, je vous remercie. Il n'y a pas de souci, je ne suis pas très loin. S'il y a quelconque problème, je suis là. J'imagine bien, j'imagine bien. D'accord. Non, mais en fait, on a accosté sur la plage là. Oui. On arrive tout doucement, on se stabilise au niveau du sable. Et là, bah, tel qu'il est là, en fait, et je vais pour sortir du bateau et en fait, j'atterris j'ai glissé sous le bateau. En fait. Ah, d'accord. Et vous avez pas réussi à Voilà. monter remonter à la surface? Ah non, mais en fait, j'ai vu pour essayer de sortir du bateau et d'un coup, oui, voilà quoi. Bonjour. D'accord. Okay. C'est votre collègue qui est dans l'eau ou pas? Encore dans l'eau, Non, non? non, du tout. Non? D'accord. Non, non, non. Du coup, On va quel est attendre. le rapport? Quoi? Quel est le rapport? Quels sont On va faire un rapport général des deux victimes. Je vais attendre les valider. Une deuxième victime est retrouvée. Venez, on va le mettre un peu plus vers ma gauche. Allez-y, monsieur, on va vous dépasser. Doucement. Mais je vais contacter les CV02 parce qu'il y a notre rapport à faire. Le CV02, je vous dis, vous êtes disponible ou pas? Bon, je peux faire un bilan. Le bilan de l'autre victime qui est là. J'ai fait transmettre 95, oui, 95. Et après, on va laisser ici. Bon. Et après, après, tu fais celui-là. Comme ça, moi. Et tant que je gère un peu tout. Reçu. Du coup, monsieur, vous êtes arrivé quoi là? Vous avez du mal à respirer ou pas? Non, c'est bon, ça va mieux. Vous êtes sûr? Non, en vrai, non. Ok. Asseyez-vous, ça sera mieux. Voilà, ce sera mieux. Envoie une... Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement? Il vient de la L'image? récupérer. C'est ça. Du coup là il n'y a C'est plus aucune bon, victime alors dans un l'eau. peu de ménage. Comment? Il n'y a plus Monsieur, aucune victime dans l'eau. vous allez bien, monsieur? Ça va mieux? Ouais, un peu, un peu. Pourquoi Est-ce qu'il y a encore des victimes dans l'eau? Non. Avec le dos. Vous réalisez combien de sauvetages par jour de ce type d'intervention? Dépend des jours, des fois non, pas beaucoup, des fois c'est comme aujourd'hui, c'est très très agité. Très bien, que diriez-vous aux téléspectateurs qui regardent ce journal pour entrer dans les sapeurs-pompiers de la City? Si vous voulez rentrer dans le sapeur-pompier, alors faut être vraiment motivé parce que vraiment soulever certaines personnes à force du stress, la digestion, etc. Il faut vraiment être motivé, faut pas avoir peur. Faut foncer, faut bien sûr vous allez faire des erreurs, mais ça se corrige. En plus on a un état-major très très gentil à l'écoute. Du coup, on est bien formé. Bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur, vous pensez que les sapeurs-pompiers sont indispensables à l'île? Indispensable à quoi? Sur l'île, est-ce que vous pensez qu'ils sont indispensables sur l'île? Ah, pour là tout de suite, là, vous parlez? Oui. Ouais, non, ça ira juste un doliprane et puis ça devrait aller mieux, je pense.
Je pense pas que aller à l'hôpital soit vraiment indispensable. Bah, vous avez avalé quand même une bonne quantité d'eau. Ah non, je sais bien, mais c'est juste pour François, l'équipe du sport qui vous attend. On verra, mais c'est vrai que j'aime Vous pas attend trop les pas. hôpitaux, c'est pour ça. Alors, on a eu l'équipe du SAMU, donc je sais pas trop de demain. Ce qui était D'accord, bonsoir. Heureusement que vous êtes là, n'empêche, parce que. Par contre, c'est vrai qu'apparemment, je suis pas le seul, mais il y a des gros problèmes pour arriver sur l'île pétrolière. ah bon? Ah, il y a au moins 3-4 personnes que je vois depuis tout à l'heure. Moi-même, je Vous suis êtes arrivé arrivé quand? là avec le bateau. En fait, on est arrivé tranquillement, tout doucement. Là, bah, on est arrivé tel qu'il est là, le bateau, en fait, pour accoster. Et une fois que bah, il est stabilisé, tout ça, je vais pour sortir du bateau et bah, systématiquement, j'ai direct glissé et passé sous le bateau. Moi, j'étais témoin, c'était l'autre personne. En fait, il est arrivé et du coup, d'un seul coup, il s'est retrouvé en l'air et poum, il tombait pas sur le Ah, il a sable. fait un vol plané, ça? Ouais, c'est ça. Ah, ça m'est déjà On arrivé. avait les côtes, tout ça, on devait C'est même en assez faire. bizarre qu'on voit ça. Il fait, bah tiens. Ça m'est déjà arrivé, c'est ça. Oui. Vous savez 02 de police. Message inaudible. Est-ce que vous êtes disponible? Du coup, vous êtes disponible ou pas? C'est ça, Ça oui. c'est le SMUR, c'est ça oui. Transmet, pardon. Ok, c'est reçu, est-ce que vous pouvez rendre au niveau d'aéroport, s'il vous plaît? Et donc qui t'emmène Transmet. à l'hôpital du coup? Ouais, je pense qu'il va m'emmener à l'hôpital. Ok. Ok. Bon moi je t'attends moi Alors, après. j'ai un appel. Ouais. Bonjour. Merci d'être appelé ou pas, prochain. Du coup, le monsieur, qu'est-ce qu'il a? Et Bonne carte vous êtes d'emploi, resté combien de temps monsieur sous Legrand. l'eau? Est-ce que tu as une dépense sur la chance? D'accord, ok. Vous avez avalé beaucoup d'eau? Tu peux me rendre ma s'il te plaît? D'accord. Mais tout à fait normal. Ça marche quand vous respirez fort. Est-ce que vous avez des douleurs ou pas au niveau des poumons? Bonjour Bonjour. monsieur. Deuxième Est-ce que vous pensez D'accord, que les vous êtes sapeurs-pompiers ont été bien responsables de cette respiratoire situation? important. Moi, j'ai pas entendu, D'accord, excusez-moi. ok. Est-ce que vous pensez que les sapeurs-pompiers Bien. ont été Alors, est-ce que vous responsables avez, pour quand on vous touche les Bonjour. pieds, cette est-ce que vous situation? sentez les orteils là? Alors, c'est qu'est-ce qu'il y a, madame? J'entends mal. Attendez, on peut s'éloigner, s'il vous plaît? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y. Est-ce que vous pensez que les sapeurs-pompiers sont indispensables dans ce genre de situation? Ah oui, les pompiers, oui. Est-ce que vous pensez qu'ils ont sauvé la vie de votre collègue là? Moi, oui. Merci, très bien. D'accord? Oui, s'il vous plaît. Je vous envoie une feuille Tu veux me dire si ça allait bien? avant que On va voir si S'il va pas la traumatiser. Est-ce que vous rendre au niveau du pont de l'excès, s'il vous plaît? Va lui demander, il te regarde. Cool. Tu sais, C'est bon? on va l'emmener direction pour le cherche. En y allant doucement sans trop le secouer. Ok, bon, bah, let's go. Monsieur Jean-Est, je vais son technique.
Du coup. Du coup là, on va partir à l'hôpital ou c'est une autre équipe qui s'en charge? Non, là c'est nous, on va le déposer. Enfin, retour 16 points, on devait s'aider en partie. Quelles sont les caractéristiques du bateau de sauvetage? Alors, on a une vitesse de pointe à 90 km, on a 7 places passagers, une place conducteur, et je pense que c'est tout. Transmet Dragon. Ensuite. Ces bateaux là on ira mettre en forêt en fait. On va au vélo. Est-ce que dedans? Attendez. Vous avez un peu sans sac. J'ai un peu mal à la tête. Ça va partir, je pense. Ouais, vous avez été un peu longtemps sous l'eau. Est-ce que c'est normal? Vous y allez du coup. Ouais, du coup, t'es là, tu dispo? Ok, c'est reçu. Est-ce que tu peux laisser le relais à VSF 02? C'est quoi son nom? Monsieur Kate Fox. Kate Fox, est-ce qu'il donne un dossier à déjà? Kate. Kate Fox. Kate, t'as commencé par un cas, on est d'accord? Ça. Kate, on dédige. Bah, on lui donnera le dossier. Tu as créé ce dossier médical ou quoi? Non. Créé... Voilà, on va vous mettre ici. Des médecins qui arrivent pour vous prendre en charge, monsieur? On va vous laisser là. D'accord. Alors, on vous souhaite un bon rétablissement à vous. Merci. Et bon courage à vous, monsieur. Merci. Bonne journée, au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Donc là, c'est une fin d'intervention. Ça. Non, mais c'est une fin d'intervention. Très bien. Du coup, je laisse transmettre. Comment? Je laisse transmettre qu'on est en fin d'intervention. Que je pense qu'on va devoir repartir sur le premier club. Que dis-tu de... Une ambulance pour la deuxième victime ou pas? Vous prenez les deux? Ça va rentrer au CSP. Ouais. Explosion Ouais. Recrutement blessé. Commissariat, non. Je crois. Commissariat. C'est au commissariat ça? Ouais, c'est. On se met. C'est leur suburban, je crois, qui a... Merci. Qui a cramé. C'est une fin de reportage pour Pop TV, j'espère que ça vous aura plu. Et à la prochaine pour de nouveaux reportages exclusifs sur Pop TV.